Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. François Fillon n'en a pas fini avec la justice. En juin 2020, l'ancien Premier ministre et son épouse Penelope avaient été déclarés coupables de détournement de fonds publics. Complicité et recel. François Fillon a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Et son épouse à 3 ans avec sursis. Chacun avait également écopé de 375 000 euros d'amende et François Fillon avait été frappé de 10 ans d'inéligibilité. À l'issue du procès, la défense de l'ancien candidat à la présidentielle avait fait connaître son intention de faire appel. Ainsi, un nouveau procès doit s'ouvrir, dans le cadre de cette affaire, en novembre prochain. En attendant, François Fillon avait pris la décision de quitter son emploi dans la finance pour se consacrer totalement à la préparation de ce nouveau procès en appel. Il devra peut-être s'éparpiller quand même, selon les informations de plusieurs médias. Dont RTL, François Fillon est visé par une nouvelle enquête préliminaire. En réalité, elle a été ouverte dès 2017 par le parquet national financier. C'est un nouvel emploi fictif qui serait dans le viseur des enquêteurs. En effet, des sommes ont été versées par l'Assemblée à l'écrivain Maël Renoir. Recruté entre 2013 et 2015 comme assistant parlementaire par François Fillon, l'écrivain aurait touché un salaire total de 38 000 euros. Au cœur du dossier, une seule question, un député peut-il embaucher un attaché parlementaire avec pour seule mission de l'aider dans l'écriture d'un livre? Contacté par RTL, l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, déplore un acharnement. Si on nous dit qu'un collaborateur parlementaire ne peut pas contribuer à l'expression politique d'un député, on en arrive aux confins de l'absurde, estime-t-il. Quoi qu'il en soit, François Fillon et l'écrivain ne nient pas leur collaboration. Et le PNF n'a pas encore tranché sur la suite à donner à cette enquête préliminaire. Si l'institution juridique considère que l'écriture du livre rentre bien dans le cadre du travail d'un attaché parlementaire, l'enquête pourra être classée sans suite. Dans le cas contraire, François Fillon aurait un nouveau procès à affronter.